salut à tous, on est ravis de vous accompagner dans les rues de Leicester jusqu'au King Power Stadium. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commander ce match du foot anglais au menu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare pour vous. Et oui, on y est presque. Vous sentez la pression qui monte, la petite adrénaline. Le coup d'envoi, c'est pour tout de suite. Number 19, Marvelous Nakamba. Number 11, Gareth Bale. Number 20, Callum Hudson-Odoi. Number 27, Dele Alli. Alors, la proposition de Leicester. 4-5 ans offensif. Ou aussi le 4-2-3 avec double et pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Good luck. Cheers. Thanks. Hi. Good game. Good game. Good game. Hey, good game. Thanks. Good. Et on va découvrir le 11 de départ. Le 3-5-2 avec deux pistons sur les côtés, c'est de là qu'il part toute l'animation, toute l'agitation dans ce match. Thank you. Enjoy the game here at the King Power Stadium. Et donc début de cette première période. Ah, il est passé sur ce bon geste. Et oui, il est venu prêter main forte, ça paye, ballon récupéré. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Leicester tente de porter le danger. Ah, le ballon n'arrive pas à destination, c'est dévié. Trajectoire bien coupée en pleine surface. On les connaît, les qualités de Jamie Vardy. C'est lui la grande attraction. Et oui, sa spécialité, c'est d'accélérer ce rang aux 2 mètres. Pas besoin de beaucoup. Une fois lancé en profondeur, c'est fini. Très bien défendu, sans commettre de faute. Se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Ah non, c'est contré. Corner. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Jamie Vardy. Le ballon pour Dele Alli. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Dele Alli. Avec Dele Alli. Jamie Vardy. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Ah, la frappe est contrée. Intervention et donc danger écarté. Ouais, bien fait, il est passé. Et un ballon capté sans problème. Le ballon est récupéré. Et
peut-être un bon décalage sur ce ballon. Et ce ballon pour Fabianski. Hudson-Odoi. Oui, le ballon est intercepté. Bien parti dans le dos. Et c'est le but! Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à obtenir. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Gareth Bale, eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Eh oui, bonne couverture là en soutien, le ballon est récupéré. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche, l'égalisation c'est pour bientôt. Oui, sans faute, c'est récupéré. À bientôt la mi-temps dans ce match et toujours donc cette avance pour l'équipe locale. C'est plutôt un bon match pour l'instant. Même si la situation est très serrée, la priorité c'est de maintenir ce but d'écart avant d'aller au vestiaire. Je vous coupe, mais c'est chaud là. Et voilà, c'est un nouveau but. Ce but qui vient leur offrir de longueur d'avance. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. 1 minute en plus minimum. Bonne parade du gardien. Ouais, bien frappé ce corner. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Sa performance avec des chiffres, depuis le début du match, c'est un véritable danger pour toute la défense à tête. Voilà, c'est typiquement le profil de celui qui choisit le moment pour être décisif. C'est très compliqué d'affronter un tel talent. Chaque fois qu'il touche la balle, il donne de la lumière. C'est reparti ici avec donc Leicester qui a une avance confortable. Et un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Mais non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé.
un ballon rendu à l'adversaire. Bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc. Attention, voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Attention, l'occasion pour revenir. Ah, la bonne parade. Combinaison, ça joue en deux temps. Le centre, il y a du monde. La déviation et c'est dedans avec de la réussite. Ça surprend tout le monde. Et oui, on le revoit sur ces images. Avant de passer la ligne, le ballon est dévié. Ça donne une trajectoire bizarre. Il réfléchit, l'entraîneur. La réduction de l'écart, ça le préoccupe et c'est normal. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Luc Thomas, conservation défensive. Le ballon circule dans leur propre moitié de terrain. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Attention à ce tir! Oh, l'intervention du gardien! Un petit ajustement tactique avec le remplacement. Substitution for Brighton of Albion. Coming off the pitch, number 20, Josh Brownhill. To be replaced by number 27, Timothy. Oui, à deux, c'est bien fait. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Ah, il peut frapper pour égaliser. Oh là 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 là, le but pour la remontada. Ils avaient deux buts de retard, mais maintenant, ils sont là. Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il s'émet légèrement de profil et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quel golasse! Score de parité, deux buts partout au tableau d'affichage. Ah, bien placé, Jamie Vardy. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance.
voit bien cette frappe, ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oh, et c'est bien servi. Encore une opportunité. Ça tape la barre et ça revient. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Le menton qui tremble encore après que ce ballon soit venu rebondir dessus. S'il rentrait, c'était le tournant du match. Et hors-jeu, c'est signalé de pas grand-chose à mon avis. Et ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Perte de balle. Trop précis et ballon récupéré très haut. Et finalement, c'est sans danger pour le gardien. Hudson-Odoi. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Le chrono tourne, évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui. Jamie Vardy. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Le bloc progresse bien, avec pas mal d'options. Et c'est reçu par Carlos Vela. Et le ballon est finalement intercepté. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. L'arbitre avait laissé jouer, mais revient à la faute initiale et sort le jaune. Substitution for Leicester City. Coming off the pitch, number 27, Dele Alli. To be replaced by number 10, Patrick Bamford. L'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Et ce ballon pour Fabianski. Et c'est reçu par Carlos Vela. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Ouais, c'est bien fait, c'est bien défendu. Quelle ouverture! Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur la touche. Très vite sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Et le remplacement peut avoir lieu. Et avec le peu de temps qui reste, ce corner est une occasion en or pour revenir au score. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et finalement, ça ne donne rien. C'est donc la fin du match avec une explosion de joie dans le stade parce que c'est une victoire à domicile. Les victoires très courtes comme ça sont encore plus méritoires. Ça donne encore plus de valeur. Jamie Vardy, pas grand chose à lui reprocher encore une fois. Il a répondu. C'est un match complet de sa part. Il y a de l'effervescence, de la vitesse, de l'abnégation. Et puis ce but pour contribuer à la victoire de son équipe, c'est très bien joué.